أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد أما بعد وإن شاء الله لنك كنا point d'associer ni dans sa seigneurie ni dans sa divinité et ses noms et attributs. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur, son messager Muhammad, fils d'Abdallah, qui a été envoyé avec la guidance et la religion de la vérité, afin de faire sortir l'humanité tout entière des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du tawhid, qui est le monothéisme pur. Ô musulmans et musulmanes d'Amun, ceux de vous qui se donnent encore à leur religion, ceux de vous qui se cramponnent encore à leur religion, ainsi qu'aux traditionalistes parmi vous, qui sont en train d'oublier la raison pour laquelle ils ont été créés, car nous tous, sans exception, on a été créés pour un objectif, pour un but, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, moi Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous prenons la parole ce matin, le samedi 20 février 2021, ce n'est pas parce que nous aimions beaucoup bavarder. Ce n'est pas parce que nous aimons beaucoup prendre la parole, mais c'est plutôt une responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Cette responsabilité est celle de recommander le bien et d'interdire le mal, car Allah subhanahu dit dans le Saint-Coran كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit d'après Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Albani, rahimahum Allah, le prophète dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ وَيَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِي ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous allez certes ordonner le bien et interdire le mal, ou sinon Allah va vous envoyer un châtiment venant de lui, puis vous l'invoquerez, mais il ne vous exaucera pas. Voici la raison pour laquelle, chers frères, chers sœurs musulmans, qui nous a poussés à prendre la parole ce matin, lors de l'inauguration de la porte des tranchées de Foumban,
le 14 février 2021, et lors du discours, le droit d'Allah, notre Seigneur le Tout-Puissant, a été bafoué dans ce discours. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala a été bafoué dans certaines expressions mentionnées dans ce discours. Mais lorsque nous n'avons pas vu une vive réaction, vu ce grand droit du plus haut qui venait d'être bafoué, jusqu'à l'imam, le laurier, qui est même le diplôme des imams, par les comédiens de la radio Chumam, il n'a pas réagi. Nous avons vu que cela fait partie de notre responsabilité de prendre la parole. Car le fait de beaucoup bavarder, le fait de beaucoup parler, il y a toujours les uns et les autres qui s'en remettent, qui réfléchissent et qui retournent en arrière. Oui, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses discours, lors de cette inauguration, a été bafoué, où il était dit dans le discours ce qui suit. Monsieur le Préfet de nous, cette porte de tranchée construite en 1814 par le grand Mouvement en vivant la déesse des Chariens pour protéger le peuple Bamou, reste pour nous un patrimoine culturel et traditionnel de protection du département de nous et de l'ensemble de ses habitants. Aujourd'hui, nous avons achevé les travaux de sa restauration. Nous y avons fait des rites traditionnels usuels qui protégeront le département de nous et l'ensemble de ses habitants pendant les 50 prochaines années. Nous disons non à cet appel au paganisme et au obscurantisme ancien. Et vous, Bamoun, vous devriez dire la même chose. Nous disons non à cette croyance d'idolâtrie. Et vous, Bamoun, vous devriez dire la même chose. Car quiconque parmi les musulmans a encore déjà des conceptions déviées, erronées, déjà dérisées, au fond de son cœur, a démenti, certes, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui demande à Allah, son Seigneur, son Créateur, a certes apostasié et mécru, qu'Allah nous en préserve. Allah le Très-Haut n'a-t-il pas dit dans le Coran, « قُلْ مَنْ يَتْلَوْكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ » Allez lire dans le Coran français la sourate des prophètes, versets 42-43. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du tout miséricordieux ?» Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Allah vous pose la question. Ont-ils des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Oh Bamoun et Bamoun, oh chers frères et sœurs musulmans, n'avez-vous pas entendu cette question divine où Allah vous pose la question en recommandant son prophète de vous dire, dis qui vous protège la nuit quand vous tous vous êtes en train de dormir sur vos lits, en train de dormir sur vos lits, inconscients. Vous ne réfléchissez plus sur vos lits. Qui garde, qui prend la charge de votre protection? Qui prend la charge de votre protection dans la journée? Quand vous vous êtes préoccupé sur les va-et-vient, si ce n'est pas Allah, le tout miséricordieux.
Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Les versets sont lus, les hadiths sont lus, mais ils se comportent comme si rien n'était. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Tu as dit vrai, ô notre Seigneur, que ces idoles, anciens et contemporains, comme la porte des tranchées du Noun, ne peuvent pas se secourir elles-mêmes. Et cela est confirmé dans le même discours où il dit. Enfin, nous disons merci au chef du village de Nkunga et Sénoutan. Tous les jeunes du village de Nkunga, ainsi que les mototaxements, qui ont pris sur eux la responsabilité d'assurer la sécurité de la porte de tranchée depuis le début des travaux jusqu'à son terme. Le protecteur du Noun et ses habitants, à savoir la porte des tranchées de Fumban, sécurisée par le chef du village, par le chef de quartier, sécurisée par les jeunes du quartier, sécurisée par les mototaximans, c'est risible et déployable. C'est risible et déplorable. Où était cette porte de tranchée lors de ces accidents répétitifs à l'intérieur comme à l'extérieur de l'arrondissement du Noun? Où était-elle pour protéger ce Noun et ce Bamoun? Allah a dit vrai. Allah a dit vrai que ces idoles, c'est qui vous comptez pour la protection jusqu'à délimiter une période avec exactitude de 50 années. Et après 50 années, qui va encore vous protéger? Et avant sa construction par le roi Mbombo, le 11e roi de la dynastie de Charayenne, qui protégeait alors les Bamoun? Ne réfléchissons plus, ne réfléchissons-nous plus aux Bamoun, alors qu'Allah SWT nous dit dans le Coran, « Qul lan yusibana » قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alors, soit à nous dit dans Sourate Tauba, verset 51, dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Voilà ta croyance musulmane. Voilà ta croyance musulmane. C'est Allah le seul protecteur. C'est Allah notre protecteur. Pas la porte des tranchées du Noun appelée Penta. Penta n'est pas notre protecteur. Notre protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il est notre protecteur. C'est à Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Si tu es croyant, place ta confiance sur Allah, pas sur le Penta. Si tu es incroyant, remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et laisse les traditionnalistes pratiquer leur traditionnalisme qui est contraire à ta conviction, à ton dogme pur, à ta religion et à l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'avait créé. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana. Huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Il est notre protecteur. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance.
فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.